Si on cherche le mythe le plus ancien, alors je parle bien de mythe, hein, je ne parle même pas de quelqu'un qui a essayé vraiment de faire voler, mais quelqu'un à qui on attribue un vol le plus ancien, il faut revenir. On a un mythe iranien qui parle d'un certain roi, le roi Kaikaous. On est en Perse, c'est un roi iranien. Et ce mythe nous dit que ce roi était un shah d'Iran. Donc on trouve ça dans le livre des rois et de Ferdowsi, je peux vous l'écrire si vous voulez. Et en fait, hop, ça marche, comment je peux écrire? Ferdowsi, voilà, dans le livre des rois de Ferdowsi. En fait, ce qui se passe, c'est que ce roi, on nous dit qu'il est très tyrannique, mais qu'il a un désir de voler, et il a inventé quelque chose, c'est que sur son trône, il va, parce que c'est ce que vous avez sur l'image à gauche, il va en fait attacher des vautours, des rapaces, et ces rapaces, au-dessus d'eux, tout en haut, là, vous avez quoi? Ben, vous avez des poulets. Et en fait, le rapace, ben, il va voler pour essayer de tenter d'attraper le poulet, et ce faisant, il n'attrapera pas le poulet, mais en volant comme ça, et ben, à force, il va finir par faire s'élever le trône, et puis le roi va pouvoir ainsi survoler son royaume. Et le mythe nous dit que ainsi le roi a volé, simplement qu'à un moment donné, les rapaces, ben, ils ont été fatigués, et le roi, forcément, a chuté avec son trône et s'est retrouvé par terre dans le désert. En fait, ce que nous raconte ce mythe, c'est assez proche de ce que nous raconte nous Icare. C'est assez proche d'Icare. Voilà, la prétention de vouloir voler, et puis finalement, on tombe avec l'idée que ben, ce n'est pas très humain de vouloir voler. Dans le mythe d'Icare, d'ailleurs, si on parle beaucoup du rêve d'Icare, c'est un peu une tarte à la crème de faire commencer l'histoire de l'aviation par Icare, mais en fait, pour les Grecs, le mythe d'Icare, c'est un mythe de la transgression. L'histoire, c'est ben, c'est Icare, il est là, plongé dans son labyrinthe avec son père Dédale, et donc il a une condition d'esclave, et il se fait coller des ailes, et puis son père lui dit, tu ne devrais pas trop monter, et puis il monte quand même. Donc qu'est-ce que c'est le mythe d'Icare comme interprétation? Ben, c'est soumets-toi à l'autorité, garde ta condition d'esclavage, t'en veux pas trop, et respecte ton père. Voilà, c'est dans l'imaginaire grec, c'est plus ça que c'est chouette d'aller voler, allons découvrir l'aéronautique. Hein. Voilà, c'est plus, écoute, quand il y a une autorité, quand on te demande de mettre ton masque, tu mets ton masque. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Sinon, c'est dangereux, fais pas le con. C'est vrai que c'est la première victime de l'aviation, disait Costel, mais en fait, on peut dire que c'est la deuxième, parce que s'il y avait Kaikaous avant. Mais peut-être que Costel connaissait pas Kaikaous. Alors, si on quitte le monde du mythe maintenant et qu'on s'intéresse aux personnages qui auraient vraiment existé, parce que le roi Kaikaous, on nous dit qu'il a régné pendant 150 ans, donc c'est pas très crédible non plus. Si on part à des personnages qui auraient vraiment existé, ben on a un certain Abbas Infernas qui aurait vécu entre 810 et 887 de notre ère, les dates sont un peu imprécises, et on nous dit ben, cet Algérien, non pardon, lui n'était pas Algérien, il était, on nous dit que cet homme-là était un inventeur, était un médecin, un chimiste, un ingénieur, un musicien, plein de choses, un poète aussi, une sorte de touche-à-tout musulman. Et donc on nous dit que, on nous rapporte que il aurait tenté de voler, il aurait tenté de se jeter d'une tour. Il se serait collé des plumes et puis il aurait volé. Et puis donc ça c'est un historien algérien qui s'appelle Ahmed Al-Makwari qui nous rapporte ça, mais bien après, hein, ils en parlent en 1632, donc 8 siècles plus tard. Et simplement, il se serait finalement ben, crashé. Et on nous dit, Ahmed Al-Makari nous dit que ben, c'est parce qu'il avait oublié de se mettre une queue. Ensuite, on a qui d'autre? Eh bien, on a Alors là, c'est un Anglais. Là,
qui aurait vécu vers l'an 985, s'appelle Elmer. Parfois, on retrouve son nom comme étant plutôt Oliver, on ne sait pas trop. On connaît son existence parce qu'il y a un vitrail à Malmesbury, qui est l'endroit où il était. Et ce moine, il se serait inspiré d'Icar et d'Abbas qu'on vient de voir, mais on ne sait pas trop. Et il aurait volé 200 mètres et il se serait cassé les jambes, mais il aurait survécu. Voilà. Mais on est dans l'ordre du mythe, là, on est dans l'ordre de quelque chose qui n'est pas démontrable finalement, mais qui a laissé des traces puisqu'on retrouve ce vitrail. Alors après, on peut retrouver également le désir de voler dans la peinture italienne. Là, vous avez une Vierge à l'enfant du Quattrocento, un peu particulière, puisque bah, vous voyez l'enfant Jésus, qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Eh bien, une sorte de petit hélicoptère, là, une espèce de jouet d'enfant, vous savez, un truc qu'on fait tirer, puis ça s'envole. Bon, très bien, mais ce jouet est intéressant en tant que tel, parce qu'on va retrouver quelque chose de similaire dans les dessins de la grande star suivante, qui est, bien évidemment, vous l'aurez deviné, Léonard de Vinci. Ce que je mets à chaque fois en jeu, entre parenthèses, en bas, c'est les bâtiments de l'ENA, qui ont souvent un nom d'aviateur, ou pas forcément connu. Bon, Léonard de Vinci, tout le monde connaît, mais il y a des un peu moins connus. Donc, ça se fait référence à la salle, le musée de l'ENA, la salle d'expo s'appelle Léonard de Vinci. Alors, Léonard de Vinci, la question, c'est est-ce qu'on peut dire que c'est un papa de l'aviation? Est-ce que l'on peut dire que... ce qui est certain, c'est que Léonard de Vinci s'est beaucoup intéressé à l'aviation. On a retrouvé des milliers de feuillets écrits à sa main sur comment voler. Ce qu'on est un peu moins sûr, c'est qu'est-ce qu'il avait vraiment compris des principes qu'il fallait au final pour voler. Je m'explique. Vous retrouvez des pages de Léonard de Vinci, comme ce genre de croquis par exemple, bon, avec cette aile qui préfigure un peu une forme d'hélicoptère, on pourrait dire. Vous avez aussi le parachute qui est proposé. Et puis parfois, vous avez des choses qui sont beaucoup plus éloignées de l'aéronautique, qui ne voleront pas, clairement. C'est beaucoup plus éloigné de ce qui sera construit. Là, sur ce croquis, ce qui est intéressant, c'est l'espèce de cloche là, que vous voyez devant la tête du personnage. Qu'est-ce que c'est? C'est un altimètre inventé par Léonard de Vinci, c'est-à-dire que pour savoir si on monte ou si on descend, avec une cloche montée sur un fil, si on voit la cloche plus bas, c'est qu'on descend, et si on voit la cloche plus haut que soi, c'est qu'on monte. Voilà, et puis en pédalant, on aura réussi à faire voler ça. Autre idée, un autre dessin daté de Léonard de Vinci, cet hélicoptère qui, évidemment, ne fonctionne pas. Moi, c'est mon interprétation personnelle, mais j'ai l'impression que Léonard de Vinci, c'est un peu le Nostradamus de l'aviation, c'est-à-dire qu'il a écrit, qui c'est qui a pris la main sur la plantation là? Il y a quand même un truc que Léonard avait pigé, et ça, on en est certain. Et il y a quand même quelque chose avec les moyens de son temps, avec la science de son temps, et surtout avec l'isolement qui était le sien, parce qu'on va voir que les grands progrès de l'aviation seront faits à partir de gens qui discutaient entre eux. Là, Léonard de Vinci, je ne sais pas trop avec qui il parlait, peut-être avec François Ier, mais ça ne devait pas l'aider beaucoup. Pour réussir à faire quelque chose d'intéressant d'un point de vue scientifique, ce qu'il a trouvé, c'est le centrage. Le centrage, il l'a expliqué, avec ses mots à lui, bien sûr, hein, mais suivant que là où est le centre de gravité par rapport à l'axe d'où tourne, et non pas un avion, il n'est pas imaginé, mais quelque chose qui vole, c'est plus ou moins stable, plus ou moins instable. Ça, il l'explique très très bien. Alors après Léonard de Vinci, qu'est-ce qu'on a? Après Léonard de Vinci, on a un jésuite italien qui s'appelle Francesco Lana au XVIIe siècle. Lui, son idée, c'est si on prend des ballons et que ces ballons, on les vide, on enlève complètement l'air, il a fait un calcul basé sur la poussée Archimède. Il s'est dit, si je prends 4 ballons, je les vide complètement, mon calcul me dit que je vais donc pouvoir
à la place, remplacer cette terre que j'ai enlevée par 6 personnes que je vais pouvoir transporter, qui vont donc pouvoir voler. Alors évidemment, c'est une théorie. Ça ne marche pas pour des questions de pression, évidemment, parce qu'il faudrait des ballons extrêmement rigides, extrêmement durs pour empêcher qu'ils implosent. Et évidemment, au XVIIe siècle, ils n'ont pas du tout les matériaux pour faire ça. Donc, c'est juste un concept, c'est juste une théorie de réussir à faire une barque comme ça. Et puis, finalement, il conclut en disant, bon, clairement, on n'a pas la techno pour le faire, on ne sait pas faire, mais c'est peut-être pas plus mal, parce que si on savait le faire, eh bien, ça serait un outil terrible, parce qu'avec ça, on pourrait bombarder facilement, ou on pourrait gagner des guerres de manière effroyable. Donc finalement, bon, c'est peut-être pas plus mal qu'on sache pas le faire. Ensuite, on a aussi un inventeur un portugais, Gusmão. Alors lui, par contre, il a essayé de créer des choses. On le voit, on le présente souvent comme étant le père de l'aérostation, avant même les frères Montgolfier. Il a fait des essais de faire chauffer de l'air pour essayer de faire monter une barque. Là, c'est un dessin où il avait aussi imaginé en se disant, si je prends des aimants, là, je mets plein de petits aimants, et puis je mets des grosses boules magnétiques, la boule magnétique va être attirée par les aimants et forcément elle va monter, et puis si elle monte, ça va faire monter la barque. Bon, évidemment, ça ne marche pas. Il a fait tout ce qu'il a pu, Gusmão, en 1709, jusqu'à ce que l'Inquisition portugaise lui tombe dessus et lui dise qu'apprendre à voler, c'est quand même pas bien. Dieu ne veut pas ça, donc il a dû s'arrêter. Et puis, on continue dans le XVIIIe siècle, les Lumières, à se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait voler. Alors là, vous avez une peinture d'un peintre, Joseph Patinho, en 1684, qui imagine un poisson volant sur lequel on pourrait ramer dessus. Enfin, bon, on ne sait pas trop comment faire. Jusqu'à ce qu'arrivent nos deux héros, que sont Étienne et Joseph Montgolfier. Alors, Étienne et Joseph Montgolfier, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eux, c'était des papetiers, en fait. Ils étaient héritiers de la papeterie royale de leur père. Et donc, ils s'étaient dit, mais si on veut voler, regardons ce qu'ils volent. Qu'est-ce qu'ils volent? Les nuages volent. Bon, alors, si on veut voler, il faudrait pouvoir domestiquer un nuage. Puis on se mettrait dessous, puis on pourrait voler. Le problème, c'est que les nuages sont trop, on ne peut pas les tenir. Donc, comment on peut faire? Puisqu'on ne peut pas s'agripper à un nuage, on va créer un nuage. Et on va domestiquer le nuage. Et donc, l'idée, c'est je vais faire des feux de paille, ça va faire de la fumée, ça fait un nuage. Je mets au-dessus de quoi le domestiquer, et ça, nous, on sait faire, on n'est pas petit. Du coup, le nuage, la fumée, va faire s'élever ce qu'on appellera après un aérostat, avec sa terre chaude, et donc ça va fonctionner. Donc ils ont l'idée et ils le mettent en application. On est en 1782 à Annonay et ils créent leur premier ballon et premier aérostat. Et en fait, ils font voler quoi? Ils font voler au début pas grand-chose. Et puis ensuite, ils vont voir le roi à l'époque, c'est Louis XVI. Et on va donc à Versailles. Et puis à Versailles, on dit, on peut faire voler avec ça des canards, un mouton, un coq. Et effectivement, et ça fonctionne. Et puis, on retrouve les animaux qui ont fait le vol en ballon. On les retrouve un peu plus loin. Bon, on se rend compte, ça s'est bien passé. Ils sont vivants, les animaux. Bon, le coq, il a la patte cassée, mais c'est parce qu'il s'est pris un coup du mouton. Grosso modo, ça se passe pas trop mal. Et donc, en 1783, en tout cas, le vol des animaux, ça fonctionne. Mais reste à inventer le vol humain. Si on remplace les animaux par les humains dans cette affaire, le problème, c'est que le roi Louis XVI, il dit « Non, non, mais vous y pensez pas. C'est quand même un peu casse-gueule votre affaire. Mettre des moutons, des canards, des coqs, d'accord. Mais mettre des humains pour un truc, vous allez mourir. Non, il vaudrait mieux qu'on mette un condamné à mort. On met un condamné à mort, de toute façon, il doit mourir. Donc, de toute façon, il va mourir. Donc, ça, moi, ça fera un vol. Ça regarde plus qu'un mouton. D'autant plus que
le père des frères Montgolfier, il n'est pas non plus d'accord du tout pour que ses enfants montent dans le ballon. Donc les Montgolfiers sont coincés, ils ont inventé un truc, mais et le roi et leur père leur disent non, non, vous ne montez pas dans le ballon. Et là surgit Jean-François Pilâtre de Rosiers, qui est un physicien, qui dit bah, « Mais moi, je veux bien tester cette affaire, parce que quand même, c'est dommage, ce serait dommage de laisser à un condamné à mort la primauté du vol humain. Il vaut mieux que ce soit un grand physicien. Et moi, je me sens d'attaque pour faire ça. » Et j'y vais pas tout seul, j'y vais avec le marquis d'Arlande. Voilà. Alors, le roi dit d'accord, on teste cette affaire-là, et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va partir en 1783 toujours, de la Muette à Paris, hein, au château de la Muette, dans le 16e arrondissement, et on fait ce vol avec Pilâtre de Rosiers et avec le marquis d'Arlande, et ce ballon, il va survoler Paris et il va se poser sans problème dans le 13e d'aujourd'hui, c'est-à-dire la butte aux Cailles. Donc ben voilà, on a la première aéro-montgolfière, alors qui fonctionne à air chaud, celle-là. Elle fonctionne à air chaud. Bon, très bien. On avait trouvé en 1766, quelques années avant, l'hydrogène. On avait découvert l'hydrogène. Et c'est une invention d'un chimiste britannique, Cavendish. Et l'idée a germé en 1790 de se dire, mais c'est bien l'hydrogène, on peut aussi en remplir des ballons. Et puis en plus, encore plus léger que l'air chaud. Et donc, c'est encore plus efficace pour faire des voyages. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on a deux courants dans l'aérostation. On a ceux qui disent qu'il faut faire plutôt de l'air chaud, et puis il y a ceux qui disent non, mais l'hydrogène, c'est très très bien. Dans le courant de ceux qui aiment bien l'hydrogène, eh bien, on a en particulier Jean-Pierre Blanchard. Alors, Jean-Pierre Blanchard, c'est un Français, mais il va se faire financer par les Anglais la première traversée de la Manche. Donc, c'est un espèce de Louis Blériot du XVIIIe siècle hein, qui va réussir la première traversée de la Manche en 1785. Là, l'image que vous avez à l'écran, c'est une espèce de rêverie, un dessin de Jean-Pierre Blanchard en 81, donc avant les ballons. Il ne savait pas trop comment voler, alors il avait l'idée de dire bah, il suffirait qu'il y ait quelqu'un, vous voyez, à gauche, là, dans un espèce de vaisseau, qui bougerait des baguettes, et puis ça ferait flapper en haut, et puis pour qu'il ne perde pas le rythme à côté, il y a quelqu'un qui jouerait de la luth ou du violon, et puis ça donnerait le coup, quoi. Alors, l'équation de comment est-ce qu'on produit de l'hydrogène à l'époque, vous l'avez, en fait, hop, je l'ai vu passer, hop, si je vous le retrouve, tac. Vous le verrez avec notre ami Zachary Boubli qui fera une conférence complète sur les aérostats. Je ne sais plus bien et je ne voudrais pas dire de bêtises. À gauche, à droite, là, vous avez la production. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Je ne sais plus. C'est un truc avec de l'acide sulfurique, je crois, mais je n'en suis pas tout à fait certain. Voilà. Vous poserez la question à Zachary, comment il faisait à l'époque. Je ne suis pas spécialiste, je l'ai vu passer, mais je n'ai pas retenu. Voilà. Alors, ben voilà, on maîtrise l'aérostation. Alors, l'aérostation, ça va être intéressant, parce qu'à partir donc, du vol des frères, de l'invention des Montgolfiers et du vol donc, de Pilâtre de Rosiers, eh ben, on va pouvoir se promener en ballon. Et donc, le 19e siècle, ça va être le grand siècle du ballon, en fait. Tu veux voler, bah tu fais du ballon. Côté anglais, on a un certain George Pocock qui a une idée, c'est d'inventer les chars volants. Alors, on prend un cerf-volant et on l'attache à un char. Et quand il y a du vent, et pour peu que ça descende un petit peu, le cerf-volant tire le char. Et donc, le char, il avance très vite. Et puis, s'il n'y a pas de vent, il dit, vous mettez un poney. Donc voilà, un cerf-volant ou un poney. Il en vend. Je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ça un avion ou un aéronef. Enfin, bon.
Ce qui est sûr, c'est que l'invention du cerf-volant, elle est beaucoup plus ancienne, elle vient de Chine, du Xe siècle. Le cerf-volant, il servait à effrayer l'ennemi, il servait à transporter des messages. Et puis les Européens, au XIXe siècle, quelque chose qui les a marqués, c'est que, paraît-il, les Chinois attachaient des condamnés à mort à des grands cerfs-volants pour voir, avant de partir en bateau, si le vent est bon, si le cerf-volant s'envole. Évidemment, c'était très dangereux, le cerf-volant tombait avec son condamné. Alors, il y a un Anglais qui est assez important, mais pour les Anglais. C'est Sir George Cayley. Alors, ce n'est pas le Cayley qu'on a vu en prépa, pour ceux qui ont été en prépa, ce n'est pas le Cayley de Cayley Hamilton, du calcul matriciel. C'est un baron qui va s'intéresser à l'aéronautique. Grosso modo, parce qu'il s'ennuie dans la vie, en fait. Hein. On sait qu'il s'est marié en 1795 avec une certaine Sarah. Le mariage n'est pas très heureux. Et alors que ses contemporains, avec la machine à vapeur, eh ben, c'est la révolution industrielle, ils vont faire de l'argent avec, ils vont réfléchir à ce qu'ils vont faire avec une machine à vapeur. Lui, il se dit plutôt, comment est-ce qu'on pourrait finalement faire une voilure volée? Et il va inventer le Boy Glider en 1849. L'idée, c'est je mets des ailes en multiplan comme ça, et puis je mets un boy, un petit garçon, et puis si le vent souffle et qu'il y a un peu de descente, eh ben, à force, le truc finit par s'envoler. Voilà, alors il propose à son cocher de faire ça, de monter dans le truc, et puis son cocher fait une descente, et puis il dit non, plus jamais je monterai dans cet engin-là, plus jamais je ferai ça. En fait, il est intéressant surtout George Cayley parce qu'il fait avancer la théorie. C'est le premier à dire, attendez, pour faire voler quelque chose, il y a quatre forces, il y a la portance, il y a le poids, il y a la traînée et il y a la propulsion. C'est le premier à réfléchir en termes de force des quatre forces. C'est George Cayley qui trouve ça. Et il va avoir un disciple anglais toujours, c'est Samuel Henson. Et Samuel Henson, lui, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer carrément d'imaginer un aéroplane prophétique. On est en 1840 et quelques. Et évidemment, il le dessine, il l'imagine. C'est assez prophétique parce qu'on est quand même bien, bien, bien avant l'invention des avions modernes. Hein. Donc, un empennage, une aile comme ça. Enfin, il a grosso modo bien pensé à mettre les choses là où il faut. Sauf que, évidemment, sa machine, elle ne marche pas. Il tente de la construire. Elle fait 26 mètres de long, 10 mètres de large. Voilà. Et elle a un moteur à vapeur. Et puis, quand ça démarre, évidemment, ça se détruit automatiquement au décollage. Donc les Anglais font de Hanson l'ancêtre d'Adair, en fait. Voilà, c'est un peu le type qui a créé Éole bien avant Adair. Et Hanson, il va demander, il va dire, c'est juste que j'ai besoin d'argent pour réussir à créer une machine qui marche, j'ai bien compris, mais il n'a pas assez d'argent, donc il va retourner voir Cayley et il écrit une lettre, il dit, oh, attention, vous êtes le père de l'aviation, c'est vous qui avez tout trouvé du point de vue de la physique, c'est très très bien, j'ai besoin de votre soutien et puis j'ai besoin d'un peu d'argent. Et Cayley lui fait répondre, oui, je suis le père de l'aviation anglais, vous pouvez dire que vous avez mon soutien moral. Bon, par contre, pour l'argent, non, pas du tout. Mais je vous disais, le 19e siècle, ça reste le siècle quand même des ballons. Alors, on n'a pas trop parlé des États-Unis, mais dans la guerre de sécession, eh bien, il y a eu des essais de ballons pour pouvoir voir où sont les ennemis, les nordistes en particulier, ils avaient des ballons, et puis on pourrait parler également de la Commune et de Gambetta qui s'échappe avec un vol en ballon également en 1870. Olivier, une question Oui. sur Hanson que tu disais tout à l'heure. Oui. A-t-il fait des écrits sur son invention? Pas du tout. Oh Comme oui. Adair, où a fait, il a quand même écrit pas mal de choses sur le sujet. On a retrouvé, les Anglais ont des traces de Hanson, hein. Oui, clairement. Moi, je ne les ai pas lus, hein, mais je sais qu'il y a des écrits qui existent de Hanson, puisqu'on Mais a est-ce que retrouvé c'est lui qui... la correspondance avec Cayley où il expliquait ce qu'il faisait.
Et il y en a un autre, c'est Jean-Marie Lebris. Alors Jean-Marie Lebris, lui, à la base, c'est pas un aviateur, c'est un marin. Simplement, lui, ce qu'il a inventé, c'est ça. C'est-à-dire, il s'est dit, il a inventé l'oiseau artificiel. Il s'est dit, pour réussir à voler, il y a un lien quand on fait une aile entre l'incidence et la portance. Et c'est le premier à dire, il y a un lien entre l'incidence de l'aile et la portance. Donc si je mets des grandes ailes comme ça sur une charrette et que le tout dévale la pente et que je fais ce qu'il appelle, et sera le premier à appeler, le gauchissement des ailes, c'est-à-dire que je change l'angle d'incidence des ailes, eh bien ça va voler parce que si je bouge l'incidence, je vais bouger la portance et ça va fonctionner. Ça c'est théorique, il n'y a aucune preuve qu'il ait jamais volé. Mais enfin, il a construit sa machine et il l'a faite... photographié par un type qui s'appelle Pépin. Ça faisait partie des collections de Nadar. Et donc, bon, on sait qu'il l'a construit, mais il n'a probablement pas volé avec. C'est l'oiseau artificiel. Voilà. Donc là, lui, on lui doit ce lien entre incidence et portance, vous voyez, qui date de 1856. Si on retourne aux États-Unis, on a un autre personnage qui mérite d'être rappelé, c'est... Hiram Maxim. Alors, Hiram Maxim, c'est un espèce de super inventeur d'un peu tout et n'importe quoi. On lui doit la mitraillette, on lui doit la tapette, le piège à souris, on lui doit, vous savez, ces manèges pour enfants là, qui tournent avec les... voilà. Il a fait des inventions comme ça. Et puis un jour, on a dit, je vais essayer de fabriquer une machine qui vole vraiment. Et Hiram Maxim, eh ben, il va fabriquer cette machine volante. Alors, le truc d'Hiram Maxim, c'est la force de la propulsion. C'est-à-dire qu'il se dit, si je prends des moteurs à vapeur, évidemment pour l'époque, des moteurs à vapeur très très puissants, donc là, il prend deux moteurs à vapeur qui sont capables de développer une puissance de 180 chevaux sur un biplan comme ça, eh bien, cette machine, elle va s'élever. Peut-être pas très haut, mais elle va s'élever. La machine, elle pèse quand même 3,6 tonnes. Les hélices, elles font plus de 5 mètres de diamètre. Et ça, c'est posé sur un rail. Donc, il pose sa machine sur un rail, il met plein gaz de moteur, et puis ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Et à la fin, avec l'incidence des ailes, ça décolle. Et donc, il fait ça devant un paquet de témoins. Là, vous avez tous les témoins, tous ses copains qu'il a fait ramener. Donc, vous voyez tous les témoins. Et au-dessus, vous avez la machine. Vous voyez la taille de la machine par rapport aux témoins. Et bien, effectivement, sa machine, elle a volé. Elle a quitté le rail d'envol. Elle a même parcouru 281 mètres à 1,40 m au-dessus du sol. Donc, vous voyez, il méritait quand même d'être signalé. Et ça se passe en 1894. Alors, Adair, c'était avant, puisque Adair, c'est l'éol, c'est 1890. Mais on est dans les mêmes périodes. C'est vrai que c'est l'époque où on réfléchit en termes de propulsion à vapeur, comment réussir à voler avec des moteurs à vapeur. Et c'est aussi l'époque d'Otto Lilienthal. Donc Otto Lilienthal, lui, vous savez, c'est un Allemand de Potsdam, et lui, c'est lui qui va être le théoricien de l'intrados et de l'extrados. C'est lui qui va expliquer qu'il y a une portance à l'extrados, et il va construire aujourd'hui on dirait des deltaplanes, mais ce genre d'appareil, et il va effectuer pas moins de 2000 sauts avec ça, et ça c'est une vraie révolution, parce que ces sauts sont tout à fait attestés et ils fonctionnent. Il finit quand même par mourir, par tomber et faire une chute. Hein, il tombe et puis il se casse sa troisième vertèbre. Alors, il ne meurt pas tout de suite. Et puis, il a cette phrase, il dit « Des sacrifices doivent être faits. » Et puis après, avant de mourir, il dit « Il fallait bien qu'il y ait des victimes. » Et puis, il meurt. Mais, l'Otto Lilienthal, il va remettre à la mode beaucoup l'idée des ailes. Parce qu'il faut comprendre que dans le 19e siècle, on était resté au plus léger que l'air, à l'aérostation. Enfin, ce qui dominait, c'était le ballon. Et là, on va commencer à réfléchir au plus lourd que l'air. Je dirais que c'est un peu l'entour du deltaplane. 1891.
Alors, il y en a d'autres aussi, dont Andrea Seigné vous parlera la semaine prochaine. Andrea Seigné, elle a fait une thèse complète sur les correspondances épistolaires entre une cinquantaine de pionniers, parce que là, je vous parle des plus importants, mais il y en a une cinquantaine d'ailleurs. C'est vraiment un nuage de pionniers, les années 1890 à 1910. Donc, un nuage de pionniers qui discutent ensemble, qui échangent, et pour qu'on réussisse un avion, en fait, il faut réussir à additionner plein de compétences, c'est très complexe, et donc il faut réussir à collectionner ces informations-là, mais en même temps, si on va être le premier à savoir voler, il ne faut pas tout donner, quoi. Donc, il y a une espèce de compétition à ce moment-là qui se met en place, c'est très intéressant. On a Louis Mouillard. Louis Mouillard, lui, il est, à ce moment-là, il est en Égypte, au Caire, il étudie les vautours. Et en fait, il va y avoir une parenté entre ce qu'avait dit Léonard de Vinci et ce que lui, il dit. C'est-à-dire qu'il dit, mais pour voler, il faut copier les oiseaux. Si on n'arrive pas à voler, c'est parce qu'on fait des mauvaises copies des oiseaux. Donc il remet à la mode le biomimétisme, je copie la nature et je vais réussir. Là vous avez cette planche à droite, une chauve-souris, et à gauche, Éole, l'avion d'Ader. Vous voyez bien, c'est Ader, il a copié rigoureusement la chauve-souris. Et d'ailleurs, bon, Éole a disparu puisque Ader a détruit son appareil de rage, on va en reparler pourquoi, mais il a laissé des plans, on a retrouvé des plans, et le musée de l'air et de l'espace à Paris a reconstruit un éole à partir de ces plans, et c'est amusant parce que voilà, il a marqué vraiment le pouce de la chauve-souris, le doigt, le coude, voilà, et à partir de ça, eh bien, on va réussir à essayer de faire quelque chose. En fait, Mouillard, lui, il va dire, ben, c'est bien beau de dire qu'il faut copier les oiseaux, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'on copie quel oiseau? On copie un vautour, on copie un colibri, on copie quoi? Et ce qu'il dit, Mouillard, c'est, ben, finalement, si on regarde bien la nature, les grands rapaces, prenez un aigle, ça ne bat pas beaucoup des ailes, ça plane plutôt. Par contre, vous prenez justement un petit colibri, ça, pour se maintenir, ça doit battre très rapidement. Or, ce qui est difficile à faire pour un humain, c'est faire quelque chose qui bat très rapidement. Donc, il vaut mieux essayer de copier ce qui est relativement lourd et qui ne bat pas beaucoup. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Ader va copier la chauve-souris et la faire éole. Alors, Ader, je vous renverrai sur une vidéo Aero Masterclass que j'ai faite la semaine dernière sur sa vie avant qui construisait des avions, mais pour vous la résumer, Ader, c'est un ingénieur des chemins de fer qui fait fortune en inventant ce qu'il appelait le théâtrophone, c'est-à-dire grosso modo le téléphone qui permet d'écouter les pièces de théâtre à la demande, espèce d'ancêtre de Netflix, si je veux être très anachronique, et qui, à partir de ça, il va se faire piquer son invention pour des droits de... L'État va nationaliser le truc, et il va se retrouver riche, mais sans invention, et donc il va se dire, ben, je vais vouloir voler. Et comment je fais? Eh bien, je vais copier la nature en y rajoutant un moteur à vapeur et en me disant que tôt ou tard, je vais réussir à voler parce que les moteurs sont de plus en plus puissants. Donc, il essaye une première fois. Alors là, on est en 1890 et puis donc, il construit cette machine, Éole. Alors, le dessin est très faux. Éole n'a jamais volé aussi haut, si tant est qu'Éole ait volé. Le problème, c'est que le vol d'Ader, ce premier vol, il y a très peu de témoins. Il y avait le jardinier, il y avait ses copains, mais on peut penser que ses copains, ses mécanos, ils étaient un peu de parti pris. Et donc, Éole, ça, pour les Français, c'est le premier truc qui a volé. Mais en fait, quand Ader fait ça, il dit, voilà, je suis sûr que ma machine, elle a volé de 50 mètres un petit peu. Il y a un intérêt réel pour ça, donc, mais il faut qu'on me le finance. Et donc, il va voir le ministère de la guerre, il va voir Freycinet, il s'appelle, le ministre. Et Freycinet lui dit, OK, moi, je veux bien financer, mais en tant que ministre de la guerre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver à minima la même chose que ce que j'avais déjà avec les ballons. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Or, avec les ballons, je peux mettre deux gars en l'air à 300 mètres pendant une demi-heure, il n'y a pas de souci. Donc,
Moi, je mets des millions sur la table à condition que mon avion, eh bien, il puisse voler à 300 mètres avec deux personnes à bord pendant une demi-heure. S'il y a ça, il n'y a pas de souci, je paye. Et donc, les charges sont très, très élevées pour l'époque. On est très, très, très loin. Là, je vous parle d'un truc qu'on saura faire dans le courant de la Première Guerre mondiale, pas du tout en 1890. Et Adair, il est coincé parce que soit il dit non au ministre, il n'a pas de financement, et soit il dit oui, et il se retrouve à avancer un peu sur un truc qu'il, quelque part, il sait que c'est infaisable. Donc, il dit oui, et il va. Donc, il y aura un prototype, c'est l'avion numéro 2, puis un autre prototype, c'est l'avion numéro 3. Donc, le premier, c'est EOL, 2, 3. Et cet avion, alors c'est, Adair, c'est celui qui invente le mot avion d'ailleurs. Parce que Adair, qui est dans sa logique de biomimétisme, de jeu copie de la chauve-souris, eh ben, il va dire je vais faire un avion. C'est quoi un avion? C'est un appareil volant imitant l'oiseau naturel. C'est un acronyme. Le mot aviation était là avant lui, depuis 1960, mais le mot avion, c'est lui qui l'invente. Il dit ben voilà, moi je produis un avion. Et ben très bien, et donc on se retrouve en 1897 sur le plateau de Satory, on est près de Versailles, et puis il essaie de faire voler son avion. Et ce coup-ci, il y a des témoins, puisque l'armée va envoyer des généraux pour voir si effectivement son avion, ça vole, quoi, si les charges sont remplies. Et ben ce jour-là, il y a du vent, et puis de toute façon, l'appareil, il n'est pas capable de tenir qu'il y ait des charges, et donc ben, il se crache, et donc c'est un échec. Et le ministre de la guerre, qui entre-temps, a changé, ce n'est plus Fressigné, le suivant, il dit bon. Et donc il dit bah, vous m'envoyez des plans, ce que vous avez fait, je ne vous finance plus et on reste bon copain. Et, voilà. Et Adair, il va être extrêmement aigri de ça. C'est-à-dire qu'Adair, il dit j'ai trouvé la solution, on m'a laissé tomber. On m'a laissé tomber alors que j'avais vraiment la solution. Quoi. Il dira moi, j'avais trouvé le bon usage du gauchissement des ailes. On avait vu que le gauchissement des ailes, on l'a vu tout à l'heure, qui c'est qu'il avait amené le premier là, c'était pardon, excusez-moi, le Brie. Mais Adair, eh ben, il va dire le gauchissement des ailes, c'est moi. Et effectivement, tu disais Nicolas, est-ce qu'il a laissé des traces, Adair? Oui, Adair, il va commencer à expliquer tout ce qu'il a fait et notamment, ben, il a gauchi les ailes pour pouvoir s'envoler. Bon. Alors évidemment, il communique, hein, vous verrez ça beaucoup plus avec Andrea la semaine prochaine, mais il discute entre pionniers, il y a un gars qui est très important, c'est Octave Chanute. Alors ce qui est important, c'est de garder l'âge de ces gens-là à cette époque-là. Octave Chanute, à ce moment-là, vous voyez, il est né en 1932, c'est un vieux, c'est un très très vieux pour l'époque. Donc lui, il ne va plus créer d'avion du tout. Mouillard, il est très vieux aussi, d'ailleurs il est mort Mouillard à ce moment-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens écrivent à Chanute parce que Chanute, il n'est pas concurrentiel avec les autres. Et Chanute récupère les infos des uns et des autres, il fait un peu boîte aux lettres, et puis il redistribue. Et ça va être, Chanute, il vit aux États-Unis, ça va être le copain des frères Wright. Et donc, les informations vont transiter entre Adair et quelques autres aux frères Wright en passant par Chanute. Je simplifie à l'extrême, c'est plus compliqué que ça, vous verrez ça avec Andrea la semaine prochaine. Donc, Chanute, il avait inventé un multiplan comme ça en 1886, vous l'aurez rectifié de vous-même évidemment. Et puis, il y a un militaire français qui s'appelle Fernand Ferber également, qui va lui communiquer avec les frères Wright aussi. Et il est assez peu connu en France, mais pour les Américains, il est connu parce qu'il est responsable, au sens où lui, il parle avec le Wright et directement, et on peut s'appuyer sur lui, il est fiable. Voilà. Ferber, il mourra d'ailleurs, il construira quelques machines, là, 1909, la machine de Ferber. Bêtement, la roue va se prendre dans une rigole et puis la machine va tomber. Ferber va se prendre le moteur à vapeur sur lui et puis il va agoniser et puis il aura cette phrase, c'est tout de même bête un accident comme ça, il mourra. Voilà. Bon, alors, les héros évidemment pour les Américains, c'est les frères Wright, Orville et Wilbur Wright. Alors eux, qu'est-ce que c'est au départ? C'était des réparateurs de vélos, des fabricants de vélos et ils vont être en correspondance avec beaucoup, beaucoup de monde. Ils vont récupérer beaucoup d'infos, mais eux, ils vont en lâcher assez peu des informations.
Et ils vont créer le Flyer en 1903. Donc c'est un avion. Alors, ils diront pas un avion pour le coup. Eux, ils diront un aéroplane. C'est-à-dire qu'ils diront c'est un plan fixe, plat, qui vole et sur rail. Ils reprennent l'idée qu'on a vue de mettre un avion sur un rail pour le faire décoller. Donc le Flyer, il a des rails. On met plein gaz et ça finit par décoller et ils se sentent très très en avance pour leur époque. Donc ça c'est le premier vol en 1903 vu comme tel aux États-Unis. En France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au début du XXe siècle, tout à coup il y a un intérêt pour le vol du plus lourd que l'air. On a des mécènes. Arc Dayton, par exemple, ou Dutch de la Meurthe, qui vont aller dire ben « moi, je donne une prime, je donne de l'argent à celui qui réussira telle ou telle performance ». Et il y aura tout un écosystème économique qui va pousser en France à finalement faire des vols. Ce qui se passe, alors mes diapos sont pas forcément dans le bon ordre d'ailleurs, bon, tant pis, j'avance sur ce que je disais tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, en France, on va finir par réussir à créer des choses intéressantes. On a un mec qui s'appelle Robert Esnault-Pelterie, qui va être, lui c'est quoi? Ben, c'est l'archétype du chercheur, il va faire très très peu de vols, hein. Il va faire un vol et puis il va dire non mais finalement, moi mon truc c'est de faire voler, c'est pas de voler moi-même. Et Robert Esnault-Pelterie, ben, il va dire mais cette histoire de gauchissement des ailes c'est un peu stupide, vous passez votre temps à tirer des poulies, des trucs, c'est compliqué pour faire gauchir des ailes. Et il invente l'idée du volet, de la commande qui bouge, en 1905. Et puis du coup, puisqu'il a ça, ben, plutôt qu'avoir plein de poulies, avec un seul manche à balai, on arrive à faire bouger ça. Et puis, il dit, mais ce n'est pas la peine non plus d'avoir une propulsion très forte si elle a un poids pas possible. Parce que si vous avez une propulsion deux fois plus importante pour un poids trois fois plus important, vous n'avez rien gagné en termes aéronautiques. Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir une très très grosse propulsion comme on a vu avec Arim qui faisait voler cet énorme aéroplane. Le but, c'est plutôt de maîtriser le ratio propulsion sur poids. Voilà. Et donc, Esnault-Pelterie va proposer un moteur en étoile. Et si en fait, je mets les pistons comme ça en étoile, c'est ce qui est le plus efficace physiquement pour avoir de la propulsion avec un minimum de poids. Et donc ça va être après industrialisé avec les moteurs, on va dire, de type Goodnome, et puis ça va être répandu dans toute l'aviation du début du XXe siècle. Donc je vous disais, il y avait des gens qui vont favoriser l'émergence de l'aviation. Vous avez Arc Dayton, lui c'est un avocat, bon, mais il est riche, et il va dire, je donne un prix au premier, par exemple, qui arrive à voler de Saint-Cloud jusqu'à la Tour Eiffel, aller-retour en 30 minutes. Le premier qui arrivera à faire ça, je donne un prix. Et celui qui va essayer de faire ça le premier, ça va être Santos Dumont. Santos Dumont, c'est un Brésilien. Il est l'héritier des compagnies de chemin de fer brésiliennes. Il a l'idée de dire, moi ça, je peux réussir à le faire avec un dirigeable. Je prends un ballon dirigeable et je fais mes 30 minutes. Bon, il y a eu une petite question, parce que qu'est-ce que ça veut dire faire 30 minutes aller-retour? Est-ce que ça veut dire se poser au bout de 30 minutes ou est-ce que ça veut dire être juste à la verticale du point de départ? En fait, il réussit à faire aller-retour, mais pas à se poser, juste à faire aller-retour. Bon, mais il gagne quand même le prix. Donc, et puis Santos Dumont, il dit, c'est bien de faire un dirigeable comme ça. Il essaie d'imaginer un modèle un peu hybride, c'est le 14 bis, où je mets cet avion. Alors cet avion, il est à l'envers par rapport à ce qu'on imagine un avion. C'est-à-dire que ça, c'est l'avant de l'avion. Hein. C'est ce qu'on appelle un empennage en canard. Dessus, je mets un ballon et puis ça vole. Puis se rend compte qu'en fait non, ça c'est le ballon, il gêne plus qu'autre chose. Et donc il va inventer la demoiselle en 1907. Qui est un petit bijou de technologie, parce que finalement, c'est avec la demoiselle, on a un appareil qui commence vraiment à ressembler à un avion au sens d'aujourd'hui, qui vole vraiment, qui a vraiment une queue, qui a vraiment des ailes à la bonne place, etc. Voilà, donc c'est l'avion moderne de 1908 avec Santos Dumont.
Voilà. Santos Dumont qui, pour la petite histoire, ça finira mal sa vie parce que d'abord il aura une sclérose en plaques et puis un jour des années 30, il sera retourné au Brésil, il verra que les avions qu'il a inventés servent à bombarder une guerre brésilienne et il dira tout ça pour ça, j'ai pas inventé ça pour ça, et il ira dans son placard, il prendra deux cravates, avec une cravate il se fera très beau parce que c'était un très dandy, et avec l'autre cravate il se prendra. Et j'en ai fini pour mon exposé. Il est 18h50, j'ai tenu mon temps. Malgré les deux interruptions. Alors, j'ai pas lu le truc. La question, c'est est-ce que Ader a écrit des livres sur l'aviation militaire ? Oui, il a même écrit un livre qui s'appelle « De l'aviation militaire », il me semble bien. Parce que... Ah oui, alors j'ai pas fini sur Ader. Donc, les Français, clairement, que Ader il ait réussi en premier à faire le premier vol, ça devient une nécessité quand on voudra dire que ce n'est pas les Américains qui ont inventé l'aviation, mais que le père de l'aviation, c'est Ader. Donc, à partir de 1910, on va ériger Ader, on va aller rechercher Ader, et on va dire, on va lui donner plein de médailles, et puis on va dire, non, mais lui, c'est le père des aviateurs, et tous les grands aviateurs de l'époque, les Blériot et les Védrine et compagnie vont, je ne dirais pas faire acte d'allégeance, mais on lui fait par exemple présider le banquet des aviateurs, on lui érige des statues. Donc à la fin de sa vie, Ader, c'est quand même quelqu'un qui, sur le tard, aura été reconnu. Ok. Donc ce que je vous propose. Ah oui, j'ai pas dit, il est de Muret. Oui, Ader, alors, il est de Muret. Et il a fait ses expériences il a fait des cerfs-volants aussi à une époque. Et je sais qu'il y a 2 ans, il y a des gens qui ont cherché où il avait fait l'expérience de cerfs-volants. Et Jean-Marc Olivier m'avait dit, en fait, il y a un champ qu'on a repéré dans l'Auragais où il a fait ses essais de cerfs-volants. Voilà. Mais l'essentiel de son activité, c'est à Paris qu'il a fait. Hein. C'est rue Jasmin à Paris qu'il était. Pour la partie aéronautique. Hein, de sa vie. Ok. Alors, pour vous réveiller un petit peu, je vous propose un blank face. Donc, je vais vous présenter des visages donc de gens que je vous ai présentés. Le but, c'est le plus vite possible trouver qui c'est, quand il a vécu et qu'est-ce qu'on lui doit, qu'est-ce qu'il a inventé. Vous êtes prêts ? C'est parti. Je commence par un facile. Ouais, c'est Ader. Ader, il a inventé l'éole, ouais. Et c'est date à Ader ? C'est ça, 1841-1925. Donc ça le place, en fait, en termes de date, par rapport à tous les autres pionniers, il est beaucoup plus vieux, Ader, parce que tout se passe, en fait, au début du XXe siècle, dans les années 1900 et quelques. Vous voyez qu'il est né en 1841, donc il a déjà 60 ans, il est très vieux quand l'aéronautique vraiment se développe au début du XXe siècle. Un autre. Ouais, c'est Pilastre de Rosiers. On lui doit le vol habité en ballon, pour être précis, parce que les ballons ont été inventés par les frères Montgolfier, et il a fait ça effectivement en 1783. Voilà. Et c'est également la première victime du ballon. C'est le premier pilote d'essai, on peut dire, ouais. Et il est mort sans traverser la Manche. C'est pas papa. Effectivement, c'est Robert Esnault-Pelterie qui a donné son nom au bâtiment E à l'ENAC. Et on y a trouvé effectivement le manche à balai, le moteur en étoile et les volets. Alors, il y aura des contestations parce qu'en fait, ces trucs-là ont été inventés. En particulier le manche à balai, Farman, il dira que c'est lui qui l'a inventé à partir d'un vrai manche à balai.
Mais bon. Surtout ce que je vous dis, il y aura forcément des gens qui diront, mais non, mais il y en a d'autres qui ont trouvé la même chose en même temps. Parce que là, ils étaient beaucoup à chercher la même chose en même temps. Ethnopelleterie, après la Première Guerre mondiale, ça va être aussi le papa des fusées. C'est-à-dire qu'il va aussi inventer le vol spatial. Il va faire une conférence passionnante dans les années 1921-25, je ne sais plus, à vérifier, où clairement, il explique comment on fait une propulsion de fusée, comment on oriente une fusée dans l'espace. Et ce qu'il a annoncé, ben, c'est aussi ce qui va se passer dans les années 50 et 60 en termes de propulsion de fusée. Donc, ouais, c'est un dieu vivant, on peut le dire. Ouais, facile, ça. Plus dur, les dates de Da Vinci. Ah, t'es moins les malins. Ouais, Vincent, c'est bien. Soit tu le connais par cœur, soit tu as eu le temps de faire de la recherche Wikipédia. Je veux croire que tu les connaissais par cœur. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on lui doit, Léonard? Des dessins. Tire-bouchon à rotation inversée. Des plans d'hélico qui ne volent pas, plein de trucs. Mais vraiment plein de trucs. Hein. Un parachute. Enfin, plein de trucs qu'il n'a jamais testé, en fait. Voilà. Donc, c'est l'inventeur du proto qui ne marche pas. Char d'assaut, la Joconde. La cloche, oui, le périomètre. C'est bien, Chanute. C'est ça, 1832-1910. Donc, Chanute, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom, Octave Chanute, mais c'est vraiment le pionnier un peu oublié. Mais sans lui, je pense qu'il n'y a rien qui se fait. Parce que les autres expérimentateurs, ils discutent pas entre eux. Enfin, ça passe par lui, quoi. Et l'essentiel passe par lui. Et puis, il donne des conseils. C'est-à-dire que Chanute, par exemple, comme il est au courant de tout ce que font tous les autres, quand il voit qu'il y en a qui se plante, qui part sur un truc que c'est bon, on est montré par A plus B que là, il y a nulle part, il dit là, vous allez nulle part, mon cher ami, ça va nulle part. Par exemple, Louis Mouillard, lui, il avait. Oui, je fais facteur. Louis Mouillard, lui, il avait l'idée de dire, si je pousse au bout de la logique que finalement le vautour, ça plane, ça vole pas beaucoup, ça bat pas des ailes et que c'est plus facile à faire, si je veux voler, il faut que je me chasse un truc qui est très très lourd. Et qui bat pas du tout, genre un A380, quoi. Voilà, ça bat pas du tout les ailes, c'est très lourd, ça sera beaucoup plus facile à voler que si je fais un ULM, si je pousse la logique jusqu'au bout. Et Chanute lui dit non, là, trop loin dans cette affaire-là, c'est faut raison garder quand même. Pour la jeunesse, alors je suis pas un expert du spatial clairement, donc là je saurais pas dire s'il était en concurrence, mais lui, Ethnopelleterie, il a pas inventé le spatial, il a pas mis en application, il a juste dit voici ce qu'il faudrait faire pour faire des fusées. Il est célèbre pour une conférence qu'il a fait sur le vol spatial. Tchaïkovski, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas qui c'est Tchaïkovski. C'est Hiram. Alors Hiram, il a inventé plein de trucs. Oui, 1840-1916. Donc les mêmes années que... Ouais, les mêmes années qu'Adair, qui en a le temps. Les chaises volantes, les machines volantes. Là, ce que vous avez sur la photo, c'est turbine de machine à vapeur. Lui, son truc, c'est plus c'est gros, plus c'est lourd et plus ça va avancer, quoi. Donc, 180 chevaux, on y va, quoi. De 3 tonnes 6, comme tu dis, Nicolas.
Les Fluorite et leurs flyers. Alors, c'est vrai que quand on est français, quand on parle des frères Wright, on voit ça, on se dit que c'est des gens qui étaient quand même un peu puants, quand même, hein, les frères Wright. C'est-à-dire que non seulement ils ne partageaient pas leurs petits secrets, non seulement, je sais que par exemple, ils disaient, nous, on a inventé le gaugissement des ailes. Et Adair, quand il va se rendre compte que les frères Wright, ils disent qu'ils ont gauchi les ailes, ils disent, c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai gauchi les ailes avant et je l'ai écrit, justement. C'est pour ça qu'on va retrouver les écrits d'Adair pour dire, ah oui, le terme gauchissement des ailes, il était là avant les Wright, puisque Adair en parle. Même si on pousse la logique jusqu'au bout, c'est même pas Adair qui l'invente, on a vu que Lobrix, il en parle déjà du gauchissement des ailes. Bon, donc c'est pas bon. Ensuite, les Far Wright, en fait, ils ont breveté l'aéroplane. Donc ils disent, ben voilà, nous, on est les premiers à faire voler. Donc, quiconque fait voler maintenant, eh ben on a le brevet. Donc, il faut demander à nous. Et donc aux États-Unis, bon, bah, ils ont une espèce de monopole de fait. Et ils pensent avoir un monopole mondial grâce à leur invention qu'ils ont fait breveter, maintenant les premiers à faire voler. Et les Français, en particulier Ferber dont je vous parlais, leur dit mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En français, on s'en fout un peu de votre brevet. Nous, on continue à voler. Voilà. Et ils disent bon, on va faire du business. Et en France, on dit bah, ok, si tu veux, fais du business aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, il n'y avait pas l'émulation qu'il y a en France. En France, il y avait une sacrée émulation avec le sport, on en reparlera avec Zach dans 3 semaines, mais avec les mécénats, avec tout ça. Et aux États-Unis, non, il n'y avait rien. Donc, ils étaient là tranquilles à Dayton, dans leur Amérique du Nord, mais l'État américain ne cherchait pas spécialement à acheter leur truc. Quiconque essayait d'aller contre eux, se prenait des procès avec eux, Glenn Curtis, par exemple. Et donc, finalement, les Far Right, vu de France, on s'est dit, ces mecs-là, c'est un peu des emmerdeurs. Et du coup, lorsqu'en France, on va commencer à dire, mais allez, on va donner un prix, on va donner un prix pour celui qui va réussir à faire le premier vol d'un kilomètre en circuit fermé. Un kilomètre en circuit fermé. Celui qui va mettre ça sur la table, il s'appelle Dutch de la Meurthe. Il va dire au Far Right, mais c'est rien pour vous un kilomètre, vous faites 38 kilomètres avec votre flyer, vous vous dites, nous, venez en France, récupérez le modeste prix de 50 000 francs de rien du tout, en faisant un petit kilomètre de rien du tout, et à ici les Moulineaux, et gagnez argent facile, top, easy. Et les Far Right disent, bon, non, parce que si on vient en France, vous allez tous nous copier, vous êtes une bande de Chinois, et après, ce sera tout copié, donc on ne vient pas en France. Et moralité, c'est Farman qui va le faire le premier tour en kilomètre. Et les Far Right disent qu'ils ont eu, de toute façon, une avance technique terrible par rapport à tout ce qui se fait ailleurs sur la planète, qu'ils ne seront jamais embêtés. Et ce n'est pas du tout ça ce qui se passe, parce qu'effectivement, assez rapidement, la France rattrape le retard pris sur les Wright. Ça finira quand même que Wilbur Wright viendra quand même en France. Alors oui, au Mans, effectivement, il vient faire sa tournée, mais il ne fait pas que au Mans, il va aussi monter une école de pilotage à Pau. Mais ça ne prendra pas vraiment, c'est-à-dire qu'au bout d'un temps, il va rentrer chez lui aux États-Unis, hein, le frère Wright. Hein, d'un point de vue purement business, à trop vouloir faire de business, ils n'en ont pas fait finalement du business. Pas autant que ce qu'on fera Blériot ou Breguet, pour en donner deux. Quoi. Voilà. Ou même que Curtis, qui est américain et qui va faire également des avions plus ou moins contrefaits selon les Wright. Oui, bon, je laisse répondre à ça, après je reviendrai sur le truc. C'est Santos Dumont, ouais. Alors, Dumont, c'est un seul mot, hein, c'est Santos Dumont. Voilà, il faut retenir, outre les cravates, le 14 bis, c'est la demoiselle. Sur les Far Right, c'est vrai qu'en plus, il y avait un problème, c'est que leur avion était le seul qui avait besoin d'un rail pour décoller. Et assez rapidement, les mécènes français qui mettaient de l'argent disaient, on veut un avion qui vole vraiment, pas un train qui vole, quoi, pas un truc sur un rail. Donc, ça a pénalisé les Far Right, cette sorte de rail. Voilà.
Bah, ils seront quand même reconnus en France. Hein. Effectivement, comme tu dis Nicolas, ils auront quand même le brevet ils ont le brevet de l'aéroclub de France. Voilà. Mais donc ouais, ça c'est George Cayley. Qui est un pour les Anglais, c'est important qu'il est parce que c'est quand même c'est vrai, Santos Dumont, c'est Cartier lui créera sa première montre bracelet. Il paraît que l'origine de la montre bracelet, c'est Santos Dumont qui disait, moi, je ne peux pas sortir ma montre à gousset quand je vole, il me faudrait plutôt un bracelet. Et voilà. Donc, il va inventer le Boy Glider, effectivement. Alors, pas Delta Plane, hein, c'est pas lui Delta Plane. Delta Plane, c'était l'autre, c'était Otto Lilienthal. Surtout, ce qu'il faut retenir, Cayley, c'est l'histoire des quatre forces, portance, poids, traînée et propulsion. Donc, pour les Anglais, c'est important. Vous prenez une encyclopédie anglo-saxonne, il y a 30 pages de Cayley, hein, pour 2 pages d'Adair. Vraiment, je ne vous mens pas. Hein, qui se rappelait comment il s'appelait lui? Ouais, c'est Abbas Infiras, hein, qui prennent des notes, c'est bien. Tu as même bien écrit en plus. Ouais, alors il y en a deux, selon la légende, qui ont oublié de faire une queue. C'est lui, et on retrouvera la même histoire avec comment il s'appelle là, le moine anglais là, son nom m'échappe là. Et les deux ils diront, c'est bête, hein, si j'avais pensé à me faire une queue, j'aurais pensé à bien voler. Le moine à une mère, merci. Le BRICS. Et un X, hein. C'est le BRICS. Je crois. Vous avez dit avec un X ou je vérifie? Je sais plus. Il semblait qu'il y avait un. Ou je confonds. Non, c'est un S, pardon. Je confonds avec le copain de Dieudonné Coste, qui était le BRICS avec un X. OK. OK. Incidence et portance, effectivement. Ouais. Cake House. Qui aurait vécu en 600 avant Jésus-Christ. Le trône volant avec les rapaces, c'est ça, motivé par des poulets, mais ça marche pas bien. C'est pas Edmond. Il s'appelle pas Edmond. C'est le mécène français, mais il s'appelle pas Edmond. Ça ressemble à Edmond, mais c'est pas Edmond. C'est Archdeacon et c'est Ernest Archdeacon. Alors il paraît que ça se dit Archdeacon. Faut pas dire Archdeacon. Donc c'est lui qui va financer les premiers prix. Donc notamment le prix de Santos Dumont, là, les 30 minutes avec la Tour Eiffel. Et puis après, il va s'associer. Ah, c'est aussi le fondateur de l'Aéroclub de France, hein. C'est le papa de l'Aéroclub de France. Au même titre que Esnault et Pelterie, c'est le fondateur de ce qui est aujourd'hui le Salon du Bourget.
Et Archdeacon, il va s'associer avec Deutsch de la Meurthe après. C'est aussi Archdeacon le premier passager. C'est le premier homme à avoir fait un vol en tant que passager. Je crois qu'il a fait ça avec Farman. Louis Mouillard, ouais, c'est bien Louis Mouillard. Alors Louis Mouillard, qu'est-ce que vous rappelez à quoi il faut l'associer? C'est le biomimétisme des vautours du Caire, c'est ça. Alors dans le genre, j'étudie les vautours. Ader, il est aussi là-dedans. Hein. Ader, il est parti en Algérie voir les vautours, il est parti en Alsace voir les cigognes. C'est vraiment le trip de l'époque, hein, aller voir les rapaces. Bon, après, Louis Mouillard, ben, il était vieux pour son époque et il le savait. Parce qu'en fait, les aviateurs qui ont trouvé ou qui ont fait avancer étaient jeunes. Vous prenez un Santos-Dumont, vous prenez un Farman. Pour leur époque, c'est des gens qui avaient 30 ans. Là, les Mouillards, les Ader, sans parler des Chanutes, ben, ils étaient trop vieux, en fait. Et l'histoire est passée à côté. Oui, Otto Lilienthal. C'est bien le deltaplane pour le coup, lui, oui. Et il faut se rappeler que bah, il est à la fin du 19e siècle. C'est ça. Il a fait 2000 sauts, à peu près. Hein. Et ça a mal fini. Ben, voilà. Et boum. Et enfin, ah non, pas enfin, je suis encore en arrière. Oui, il faut bien des sacrifices, il a dit. Et lui, c'est un moine de quelle époque? Non, il ne s'appelle pas Francesco, c'est pas lui, Francesco. Il s'appelle. C'est vers l'an 1000, un peu après, vers l'an 1100. Il s'appelle Aylmer, voilà. On en a parlé tout à l'heure. Et parfois, on l'appelle Oliver aussi. Il est sur un vitrail. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pensez donc à bien vous abonner à Aero Masterclass. Je vais avoir un vrai travail de montage cette vidéo avec les coupures qu'on a pu avoir. Pour la semaine prochaine, donc, on aura Andrea. Je ne sais pas si tu es parmi nous, Andrea. Tu es là, Andrea? Oui, elle est là, Andrea, je la vois. Andrea? Tu peux ouvrir ton micro? Non, tu n'es pas là. Donc nous aurons Andrea, on va voir avec elle plus précisément les trois générations de pionniers du fin 19e, début 20e. On verra qu'il y a trois générations de pionniers et on verra ça avec. Il y avait un programme, il a été montré au début de la présentation, Nico, tu as dû arriver en retard. Voilà, mais ça m'a fait bien plaisir. Et donc, semaine prochaine, ce sera 18h par contre, hein. Ce sera toujours 18h dorénavant.